Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir le dernier bébé de chez Fatmax Édition. Donc Maxime que je salue, qui m'a envoyé Caldom, euh, Caldom euh, qui va euh, se jouer dans un univers fantastique, héroïque, fantasy. Comme vous le savez, le magelf traverse tous les multivers, toutes les époques, l'espace et le temps, aussi bien la science-fiction que euh, du domaine historique, comme les pirates dernièrement. Mais là, on revient un petit peu à mon domaine de prédilection, qui est l'héroïque fantasy. Alors, petit résumé du background, donc Caldom est un dragon qui a semé la terreur dans le monde connu, et un puissant sorcier de la Terre des Hommes l'a combattu au péril de sa vie, bien sûr, mais il l'a pétrifié, l'a fait exploser, et tous ces fragments de pierre euh, du corps du, fan, du fantôme, j'allais dire, du dragon, ben, sont éparpillées et quelque part ces pierres apportent un certain pouvoir. Donc du coup, vous allez arpenter les terres euh, pour retrouver ces pierres et vous donner du pouvoir. Et on va y retrouver toutes les races de base euh, de, euh, du monde héroïque fantasy. Donc du coup, moi, ce que je vous propose à travers cette vidéo, dans un premier temps, c'est vous montrer le livre, les quelques petites annotations que j'ai faites qui vont servir à Maxime, parce que je sais que je suis moi-même auteur de livres. Pour mon épouse et bien souvent, il ben y a des annotations à faire et remettre à jour le fichier. C'est ce que je vais lui proposer de faire à travers ma lecture. Donc, on va voir le livre, on va voir le matériel et ensuite on va voir succinctement les règles de jeu. Donc, du coup, ce que je vous propose de faire, c'est on se retrouve sur la table et ensuite on va dérouler à travers cette vidéo tout le chapitrage que je vais mettre en place. C'est parti. Allez, je vais vous présenter le livre des règles. Alors je me suis dit c'est important de le faire car je vois sur certaines chaînes YouTube, ils vous présentent des codex ou des livres de règles en une heure, une heure et demie. Donc je me suis dit tant qu'à faire, prenons le temps pour Maxime de le faire également. Alors je n'ai pas mis ma dalle à l'aide, hein, euh, lumière du jour au plafond parce qu'autrement on va avoir plein de reflets. Donc là, eh ben, on va euh, juste passer vite fait là-dessus. Hein. Le but du jeu, il est vite vite euh, vite décrit. Hein. Pour gagner, vous devez détenir à la fin d'un tour quatre pierres ou éliminer l'ensemble de vos adversaires. C'est tout simple. Voilà. Vous allez récolter des pierres de pouvoir. L'univers, je vous en ai vaguement parlé. Euh, C'est vite fait. Le matériel, j'ai pris quelques annotations pour Maxime, mais on le verra tout à l'heure au niveau de la présentation du matériel nécessaire. Je pense qu'il est important de s'équiper directement ici. On aura la possibilité aussi, hormis des figurines de 28 mm, d'utiliser des figurines de 1,72, comme le fait habituellement Maxime. Il faudra simplement réduire les distances par deux. Au niveau euh, du, euh, bah, de l'échelle, après, il y a différents clans. Le clan va être composé de 5 héros avec chacun leurs caractéristiques. Vous pourrez également aussi en créer, et c'est ça qui est bien, c'est que Maxime offre euh, à travers ses livres... Un ce que je pourrais appeler ça, un bac à sable où vous pourrez vous amuser, le but étant toujours de prendre du plaisir. Alors nous aurons différentes factions, qu'on va retrouver les factions génériques de tous les euh, systèmes de jeu héroïques fantasy, les humains, les gobelins, euh, nous allons avoir les nains, les elfes, avec chacun bien sûr leurs caractéristiques. Et leur pouvoir hein, il y a euh, un, un sorcier par exemple chez les elfes hein, voilà petit aparté euh, les orques les morts-vivants voilà donc vous voyez très bien qu'il n'y a pas besoin euh, d'avoir 136 millions de figurines sur la table et bien sûr le chaos qui va for qui vont former ensemble la base bah, de euh, du jeu nous allons regarder les caractéristiques donc je vois que maxime m'a mis des petites annotations alors je précise que c'est un livre euh, qui est non destiné à la vente c'est ce qu'on appelle en termes euh, en jargon euh, ben un livre euh, c'est une épreuve, c'est-à-dire c'est un brouillon. Donc là, euh, forcément, Maxime m'a fait quelques petites annotations. J'en ai pris aussi. Je vous mettrai tous les liens d'achat dans la description de cette vidéo. Euh, Maxime, à l'heure actuelle, ne me les a pas parvenus, mais je les rajouterai, à savoir que vous pourrez, je pense, sûrement l'acheter également sur euh, euh, Lulu ou quelque chose comme ça en format PDF, ce qui peut être aussi euh, très bien pour... Euh l'imprimer et y jouer alors les personnages du jeu viennent de tout le territoire d'une contrée quelconque vous pourrez représenter ces héros avec des figurines de n'importe quelle marque de n'importe quelle race c'est pas un problème donc le mouvement bien sûr distance en pouce euh, que le personnage peut peut parcourir lors d'une action de déplacement le corps à corps, euh, alors il y a une petite particularité, tiens, il fallait que je la glisse, celle-là, le premier chiffre indique la valeur maximum, maximale à obtenir sur un dé pour avoir une réussite, ce qu'on peut voir ici par exemple au corps à corps, hein, tout simplement. Euh, donc ça, est, tout est expliqué, il y aura du tir, il y aura de la magie, il y aura bien sûr de la défense et les points de vie donc ça on va voir tout à l'heure le, les personnaliser votre clan alors au niveau de la personnalisation maxime vous a euh, expliqué le euh, la façon donc de créer son clan avec des systèmes de points. Voilà, c'est tout simple. Je précise que c'est un jeu d'escarmouche, je le rappelle. Je ne sais pas si je l'avais dit d'ailleurs, pour deux joueurs. Les atouts, les compétences des différents personnages, les arcs longs, ça, on va dire que forcément, on va y retrouver chez les elfes, les arbalètes, les boucliers, les bâtons de sorcier, enfin bref, on a tout, une ribambelle d'atouts, des sorts. Alors, je précise qu'au niveau de tout ce qui est sort, etc., euh, bâton, magique, enfin tout ce que tu veux. J'avais fait une vidéo, hein, je préconise quand même de pouvoir créer ses propres cartes de personnages, parce que je ne sais pas s'il y a un système de ce que l'on appelle dans le jargon ludique de « legacy », d'expérience. Je découvre le livre avec vous, j'ai juste lu l'intro. Comme ça, euh, je pars sur une base neutre euh, mais en y notant quelques petites choses, hein, je l'ai lu en diagonale, n'ai pas tout parcouru. Donc nous avons l'essor, donc vous pourrez faire vos cartes euh, sur euh, la vidéo que je vous ai mis en haut à droite de cet écran. Alors à savoir que euh, il y a une histoire de euh, jetons de pouvoir, typiquement qui est euh, des jetons d'activation hein, qui se verront attribués à chaque joueur et qui pourront être dépensés dans le tour l'initiative la nouveauté euh, de ce qu'on va retrouver euh, chez Fatmax Edition ça va être l'initiative à base de cartes donc c'est pour ça qu'effectivement on retrouve du matériel ici qui n'est pas forcément présent sur la page et ça euh, c'est facilement modifiable je sais que maxime euh, euh, ben, aura mon retour là-dessus. Enfin, il l'a déjà dans cette vidéo. Et euh, d'un côté, chaque joueur prend au hasard une des deux paquets euh, pour euh, échanger, enfin pour définir l'initiative. Donc, des paquets de quatre, de cartes normaux. Hein, voilà. Alors, au niveau de l'activation, on va le voir tout à l'heure. Mais chaque joueur choisit une carte et la pose face cachée devant lui. Les cartes sont dévoilées simultanément. Le joueur ayant la carte la plus haute active un de ces personnages en premier et etc. etc. donc il y a une notion d'initiative par rapport à la somme euh, de la carte hein, qui va vous permettre eh ben, de, de développer une stratégie en fonction de ce que vous voulez faire d'entrée. si euh, 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 bah, il si y a matière à développer euh, une initiative, alors euh je vais Regarder une chose parce que je euh, vois pas si effectivement. Euh, ah, oui, effe oui, oui, d'accord, j'ai compris. À ah, au niveau de carte d'initiative, en fait, il y a la constitution du paquet. Il a bien pensé euh, 1, 4, 6, 8, 10 et 2, 3, 5, 7, 9. Ça veut dire que en, en somme, on ne pourra pas avoir d'égalité. Voilà, c'est ce que je, comme je vous dis, je découvre en même temps que vous, je lis, mais ce qui va être intéressant tout à l'heure, ça va être. De développer les règles, euh, mais avant, on regardera le matériel. Donc, on va y retrouver les terrains difficiles, euh, les orientations de vision. Hein, euh, ça, on y verra tout à l'heure. On pourra grimper dans des échelles. En fait, vous pourrez parcourir tout un ensemble d'environnements dans un monde héroïque fantasy, que ce soit euh, des terres glacées, du désert, euh, de la ville. Enfin, bref, ça, c'est vous qui verrez on a les tirs on a les corps à corps on va voir tout ça tout à l'heure les règles de base donc forcément les pierres les fameuses pierres de pouvoir du dragon c'est pour ça que euh, au niveau du matériel c'est important là on a les règles de base avec les mises en place les zones de déploiement et bien sûr, euh, on regardera tout à l'heure, il faudra ramasser un certain nombre de pierres et euh, développer euh, des pouvoirs. Alors, représenter les pierres avec des dés à six faces première pierre, face invisible, etc. Tout euh, ça, c'est. On, on regardera tout à l'heure. Donc là, nous avons la synthèse des règles, les tours de jeu, la mise en place, des tours de jeu, les jetons de pouvoir, les mouvements, une petite FAQ, euh, et après, bien sûr, tous les jeux euh, que. Quasiment, je possède quasiment tous les jeux de Maxime. Donc, celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Euh, celui-là, je l'ai. Celui-là, je ne m'en rappelle plus. Celui-là, oui, c'était le d'ailleurs le premier que j'avais présenté de mémoire. Un Infanterie Attaque, je l'ai. Je n'ai pas pu tous les présenter, tous les présenter parce que. Bah, voilà, il y a quand même pas mal de choses intéressantes là-dessus. Donc, là, on a les fiches de clan vierge. Comme vous pouvez le voir, hop, et ça s'arrête ici. Je sais que Maxime m'a glissé une petite feuille. Voilà. Voilà, il m'a fait une petite photocopie des euh, pierres en jeu. Donc du, euh, du livre. Voilà, bah écoutez, je pense que là, j'ai fait le tour du livre. Hein. Je, comme je dis, je vais plus prendre le temps tout à l'heure de vous montrer les règles. Mais c'est quand même un livre qui <coughs> contient, allez, on va dire, une trentaine de pages avec les pubs. Euh, donc du coup voilà euh, je vous mettrai tout ça dans le lien euh, de cette vidéo. Euh, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est vous montrer le matériel dont on a besoin pour jouer au jeu. Alors voilà en gros euh, ce dont vous aurez besoin pour jouer à Caldom. Donc là, bah, il y a quasiment la totalité euh, du matos de jeu que vous devrez déployer en fonction, bien sûr, de votre environnement les plaines glacées, euh, les prairies, les montagnes, enfin bref, tout ce que vous voulez, hein, tout simplement. C'est pas un problème. Euh, en premier, bah, on aura besoin de décors, hein, ça c'est sûr. On aura besoin de figurines. Donc moi, j'ai ma faction elf euh, de cinq figurines hein, de mon clan. Il euh, y a des orques qu'on va affronter. Tout à l'heure, en exemple pour les règles, on aura besoin de D10, on aura besoin euh, de. qui représente, entre parenthèses, le corps euh, pétrifié du dragon, sous forme de gemme. Hein, c'est mieux, au niveau de l'immersion, c'est plus sympa. On aura besoin de jetons d'activation, euh, voilà, moi j'ai pris ça, hein, pour... tout simplement, j'ai retrouvé ça dans une boîte que j'avais achetée à Action, voilà, hein, pour euh, définir les pions d'activation, un mètre. En pouce enfin moi il fait les deux hein. c'est du games celui-là hein. c'est du games workshop qu'on m'avait filé euh, voilà un mètre en pouce ça euh, de toute façon on retrouve ça dans tous les jeux de, euh, de maxime un paquet de cartes alors moi j'en ai pris deux euh, pour différencier les couleurs comme on s'échange les paquets de cartes euh, au cours du jeu ouais, je me suis dit voilà deux couleurs mais un paquet suffira vu qu'on prend euh, dans la mise en place tout à l'heure on regardera un certain nombre de cartes par joueur euh, est ce que j'oublie quelque chose je pense que j'ai fait le tour donc vous voyez il n'y a pas grand chose à déployer pour euh, jouer hein des figurines peintes sur une table de jeu un petit peu euh voilà, caustique. <laughs> Ça va être sympa. Euh, je fais gaffe toujours à ma caméra parce que de temps en temps j'y mets un coup de boule parce que euh, j'ai un attaque de plus 10 à mon coup de boule sur la caméra. Et c'est ce que je précisais au niveau du matériel. Donc, voyez, matériel nécessaire pour jouer. Effectivement, j'ai noté en plus et je pense que Maxime pourra le modifier, remettre en ligne euh, le, le fichier. Donc des jetons, un mètre en pouce, un jeu de cartes classique et des gemmes ou euh, quelque chose représentant des pierres ou des dés ou des trucs comme ça. Voilà, c'était juste la petite annotation que j'avais à faire à Maxime de façon à ce que euh, tout au long du déroulement du livre, bah, on découvre, on découvre qu'il y a euh, du matériel à rajouter. Euh, donc, mais ça, quand on parcourt un livre, on ne va pas jouer tout de suite. Hein. Donc du coup, euh, c'était voilà, des fois c'est bien d'avoir entre parenthèses la totalité du matériel présenté pour cet excellent petit jeu. Ce que je vous propose maintenant, ça va être bah, bien sûr de vous présenter les règles. Allez, je vous ai préparé une petite table, alors j'ai pas euh, forcément la visibilité totale sur la surface de jeu qui est de 60 x 60. Euh, centimètres donc vous allez disposer euh, vos décors à votre guise euh, puis vous allez poser euh, alors là on voit pas la troisième pierre qui est ici euh, mais vous allez poser trois pierres euh, sur la ligne médiane et une dans chaque camp que vous allez tirer aléatoirement et vous allez euh, avoir une zone de déploiement de 3 pouces pour euh, chaque joueur donc ce qui va être important de savoir c'est que bien sûr les pierres devont, devront être ramassées euh, gratuitement à la fin du tour. Euh, et ce qu'il y a c'est que pour tirer euh, savoir le pouvoir de la pierre, ben, vous tirerez euh, les résultats hein, avec un dé 10 euh, et vous consulterez le tableau euh, adéquat qui va vous octroyer certains pouvoirs donc là j'ai préparé la totalité de mes factions j'ai mis mes deux jetons d'ordre qui vont me permettre d'activer les figurines à savoir que comme je l'expliquais j'ai pris deux paquets de cartes de différentes couleurs dont nous avons 2 3 5 7 et 9 qu'on va donner à ce camp là et un 4, 6, 8, 10, donc vous voyez que c'est calculé pour qu'il n'y ait pas d'égalité au niveau du jeu. <laughs> donc vous aurez compris que l'initiative euh, du joueur va être euh, bah, de sélectionner une de ces sommes au niveau des cartes pour pouvoir avoir l'initiative de jeu en premier. Hein. Et ces cartes là, eh ben, elles s'échangeront euh, lors des tours. Voilà en gros très succinctement la mise en place maintenant nous allons voir les différentes phases que vont pouvoir faire nos figurines alors au niveau du jeu en lui-même les personnages commencent comme je l'ai dit tout à l'heure à un maximum de 3 pouces de leur bord d'entrée qu'ils choisiront soit aléatoirement soit en fonction de on va dire de, de ce qu'ils ont envie de faire, en fait c'est très très libre. Le tour de jeu va se décomposer en trois phases. Une attribution de jetons pouvoir, l'initiative, puis l'activation des personnages. Donc là je vous ai mis les jetons pouvoir, on en reçoit deux hein, euh, par faction, à savoir que ces jetons pouvoir pourront être dépensés durant le tour pour relancer un dé, tout simplement. Ils ne, sont, ils ne sont donc pas conservés entre les tours. Alors l'initiative est très simple. En fait, chacun des joueurs va consulter sa main de carte et va choisir euh, bah, euh, qu'est-ce qu'il veut faire. Admettons, je dis je prends un 4, je la pose face cachée. Admettons mon adversaire, lui, va choisir une carte. Il va dire bon ben bah, je vais peut-être pas tout de suite embrayer euh, sur... Euh, on va dire un haut chiffre parce que j'aurais peut-être envie de me placer. Enfin, vous allez développer votre stratégie comme ça. Et euh, on va, à un moment donné, dévoiler les deux cartes. Donc là, il n'y a pas de surprise, bien sûr. Donc, effectivement, mes euh, elfes auront, euh, pour ce tour-là, qui va se composer de ces trois phases. Donc, l'attribution des jetons, l'initiative et l'activation des personnages. Donc là... Euh, le joueur qui a choisi la carte la plus haute, c'est-à-dire moi-même, euh, va pouvoir s'activer. Donc, je répète, euh, chaque joueur choisit une somme de cartes et en fonction du chiffre, le plus haut va pouvoir s'activer. Et il ne pourra être activé qu'une seule fois par tour. C'est-à-dire que si, dans ce cas, j'ai envie d'activer ce personnage, je pourrais me déplacer jusqu'à ma valeur de mouvement en pouce et attaquer, ou tirer, ou lancer un sort de magie dans l'ordre de son choix. Donc mouvement attaque, slash sort, ou attaque, sort, puis mouvement. Ou alors vous décidez simplement de vous déplacer et de ne rien faire. Alors là, je vais sélectionner. Bien sûr, mes caractéristiques d'elfe euh, qui sont là, c'est Umekian, Umekian, un elfe, c'est un nom euh, que je ne connais pas euh, dans ma langue elfique, et il a 6 en mouvement, et il va pouvoir bah, se dire bah, je vais me déplacer ici, voilà, de mes 6 pouces, et pourquoi pas par la suite tirer. Alors je vous passe bien sûr euh, certaines règles comme euh, grimper, comme traverser des terrains difficiles, comme sauter. Hein, comme ça, je vous laisserai découvrir au niveau de euh, on va dire du jeu, hein, du livre, si vous désirez, désirez l'acheter. Alors il y a juste une petite particularité. Orientation et vision, orienter la figurine ne consomme pas de mouvement, mais doit être fait une fois. Euh, durant votre phase de mouvement, c'est-à-dire que je m'oriente pour euh, bien sûr pouvoir tirer. Les figurines voient à 180 degrés, c'est important pour prendre en considération les tirs ou les sorts possibles. Alors 180 degrés, vous tracez une ligne comme ça. Alors il est vrai que comme un, un couillon que je suis, j'ai ce qu'il faut au lieu de vous montrer ma main, je vais plutôt vous montrer avec... Le laser, on voit mieux, donc 180 degrés. Alors je ne sais pas si on va bien le voir, là, oui, on le voit. Voilà, 180 degrés. Alors tout ce qui est devant la figurine pourra tirer, d'où là l'orientation. Alors là, je suis plutôt comme ça, si je prends le pied. Donc l'orientation a aussi son importance. Et justement, maintenant, on passe à l'explication de la phase de tir. Allez, on passe au tir. Dans cet exemple, vous avez vu, je me suis activé, j'ai fait ma première action, on va dire, de déplacement, et ensuite je vais tirer. En l'occurrence, ici, si on prend la caractéristique des elfes, en tir j'ai 7. J'ai deux valeurs. J'ai 7 et 2. 7 correspond euh, au euh, à la valeur inférieur ou égal que je devrais faire, c'est-à-dire que je devrais faire 7 ou moins pour réussir un tir et la deuxième valeur correspond au nombre de dés que je vais devoir jeter, à savoir qu'il faudra prendre en compte aussi s'il si y a une, euh, on va dire, euh, un couvert, ce n'est pas le cas, autrement on retrancherait un OD. dé, euh, à savoir que tout comme pour les tirs que pour les lancers de sorts, on va retrancher par, euh, par, enfin, par tranche de 10 pouces, c'est-à-dire qu'au-delà euh, de 10 pouces, on retranche 1, au-delà de 20 pouces, on retranche 2, donc il y a plus on tire loin et plus on aura un malus à, à faire. Donc là, en l'occurrence, euh, je dois faire 7. Sur mon résultat. Mais, mais, mais comme vous le savez, les elfes sont très forts en, en arc, donc ils ont une capacité qui s'appelle arc long. Votre personnage gagne plus 1 en tir, ce qui veut dire que j'augmente ma valeur de tir à 8. Et au lieu de faire 7 ou moins, je ferai 8 ou moins. Donc en l'occurrence, je jette mes dés, je fais 9, je loupe. Hein, donc il y a une flèche qui part dans la nature. Et là, par contre, je fais 8 ou moins. Donc je fais 6 il y a une touche. Et en fonction du nombre de réussites, le défenseur, on va prendre cette fois-ci la caractéristique des orques, que je vais vous montrer tout de suite, qui est ici. On va le voir. Donc, en défense, il a 6. Donc, du coup, je devrais jeter le nombre de dés de réussite effectuées et faire 6 ou moins. Donc, je jette le dé. Et là, je fais 1. C'est parfait. J'esquive la flèche. Si je j'avais fait 9 en l'occurrence, ben je perdais un point de vie par réussite adverse que je n'aurais pas contré. Ici, celui-ci perd un point de vie et à savoir qu'il en a 3. Donc une chose que j'ai oublié de vous dire c'est de mesurer mais je savais très bien que j'étais en deçà des 10 pouces. Donc là je suis à 6. Donc en gros voilà pour le tir pour la magie c'est pareil donc à savoir que je ne vais pas trop rentrer euh, en compte dans les, euh, les atouts c'est-à-dire les caractéristiques spécifiques à chaque, euh, à chaque euh, faction donc on peut voir ici par exemple on a armes tranchantes c'est déjà tout expliqué et on va le retrouver aussi ici arme tranchante donc il y a un récapitulatif des atouts de même que pour les sorts ça sera la même chose euh, le tir ou le sort est pareil donc boule de feu la cible subit trois touches et sa défense est diminuée de 1 donc en l'occurrence on va regarder au niveau de mes elfes surtout lui qui nous intéresse qui a un bâton de sorcier et en magie il a 8 vous voyez il est très fort au niveau de, euh, de tout ce qui est magie. Donc voilà, pour le tir, comme je vous dis, je ne vais pas m'étendre dessus, je vous laisserai découvrir. Hein. Je rappelle qu'il vous faudra vous munir de différents pions pour marquer les blessures éventuellement, ou un dé pour marquer les activations, car lui s'est activé. Et on peut le voir ici, il est allé chercher une pierre de dragon. Alors qu'est-ce qui se passe quand il se retrouve adjacent à une pierre de dragon Eh bien il va pouvoir le ramasser à la fin du tour gratuitement. Lorsqu'un personnage est adjacent à celle-ci et n'a aucun adversaire adjacent à cette même pierre, le porteur de la pierre ben, pourra ramasser gratuitement. Enfin, le, le, il va pouvoir le faire, mais pas là, parce que le tour n'étant pas terminé. Donc, du coup, à ce moment-là, il pourra jeter, on va dire, un des 10 sur ce tableau et voir ce qui se passe au niveau du porteur de la pierre. Voilà, alors il dit Maxime qu'il faut représenter les pierres avec des dés à six faces, première face invisible, visible, deuxième face 2 deux, visible, ainsi vous aurez une vision claire du pouvoir des pierres durant la partie, mais des fois c'est mieux de le faire aussi aléatoirement en jetant sur le tableau des pierres. Alors, petite précision, euh, je viens de finir d'activer cette figurine. J'aurais pu éventuellement utiliser un pion pouvoir pour relancer un dé qui a été raté. J'en ai deux par tour, comme je vous dis. Le tour bah, va se terminer quand toutes les figurines ont été activées. À ce moment-là, on échange les paquets de cartes. Moi, je prendrai les rouges, vu que j'ai pris les bleus, si je me souviens bien, oui, c'était le 4 de pique. Donc voilà, en gros, euh, comment on va pouvoir terminer un tour. Là, bah, c'est aux orques de jouer. Donc, tout à l'heure, j'ai pris pour cible lui, mais j'ai mesuré lui, c'est pas grave parce que lui, il est à 7, donc je suis en dessous des 10. Il hein. n'y a pas de pénalité, mais par contre, cet orque-là va s'activer et va venir au corps à corps, histoire d'essayer d'aller piquer la pierre qui est ici à la fin du tour. Hein. Petite précision. Alors, pour réussir un corps à corps, le personnage va jeter un nombre de dés égal à sa deuxième valeur de capacité. Donc, je reprends mes orques, admettons. Alors, lui, en capacité de combat, il a deux valeurs. 7, hein, qui est le euh, chiffre, on va dire, à faire ou euh, inférieur. Et 4, donc les orques sont très forts. Ils ont 4, on va dire, en combat. Voilà. Donc du coup, comment ça va se dérouler au niveau des corps à corps ben, C'est tout simple. Il va devoir jeter ses 4 dés et faire, selon ses caractéristiques d'orque, 7 ou moins selon sa fiche. Donc du coup, on va jeter les dés. Là, je fais 1, je touche, je touche. Là, je fais 3, là, je fais 6. Il est très fort, il a 4 touches. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que je vais devoir faire Le défenseur jette autant de dés qu'il y a de réussite. Si le résultat est inférieur ou égal à sa défense, la touche est annulée. Sinon, il perd un point de vie pour chaque réussite euh, bah, non, non protégée. Donc du coup je vais reprendre mes elfes, ils sont où Ils sont où Ils sont là donc dans la capacité qu'on peut voir sur le premier elf, j'ai une défense de 5, je devrais faire 5 ou moins. Donc du coup, bah, là je fais 2, là je fais 4, là je fais 2. Et là je fais euh, c'est 10. Non, le 10 c'est là. Donc là je fais 1. Donc du coup, bah, là je réussis euh, toutes. Mais euh, j'aurais réussi à contrer toutes les attaques. Autrement, j'aurais perdu autant euh, de euh, on va dire de points de vie qu'il y a de réussite non défendue. Ce qui veut dire que mon elfe il a 3 points de vie. J'aurais pu me faire éliminer d'un coup. Donc ça peut être très létal. Et cet orque-là a été activé. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, bah, c'est repiocher. Une initiative en fonction de ce qui se passe sur la table de jeu, vous pourrez choisir. Bon, bah, de dire, bah, tiens, moi ça m'intéresse pas d'avoir l'initiative pendant ce tour, donc je vais pouvoir euh, éventuellement commencer en dernier parce que je sais que c'est la carte la plus faible. Parce que lui, il lui reste ça, voilà. Et celle-là a été jouée la 2, donc du coup. Voilà comment va se jouer les initiatives et l'alternance d'initiatives. Comme je vous dis, je vous passe là euh, tout ce qui est magie. Hein, euh, forcément, c'est considéré comme des tirs. Euh, donc du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer euh, au niveau de la fin de la partie alors qu'est-ce qui va déclencher la fin de la partie bah, C'est tout simple, hein. à la fin d'un tour, on va voir euh, qui possède le plus de pierres. Et pour gagner, vous devrez euh, détenir à la fin du tour 4 pierres ou avoir éliminé l'ensemble de euh, ses adversaires. Comme on peut le voir ici, les orques possèdent 2 pierres. 3 euh, plutôt, euh, le magelf il en possède une, on la voit pas à l'écran voilà, on verra mieux ici. Donc ce qui fait que là bah, il reste une pierre à convoiter et du coup on va pouvoir essayer d'aller euh, au contact, euh, l'éliminer, capturer une pierre à la fin du tour. en fait c'est une baston pour les pierres qui vont procurer certains pouvoirs. Donc en gros voilà donc il n'y a pas de mode legacy donc je rappelle aussi qu'une fois que l'état, sont, euh, bah, sont terminés, eh ben, on va échanger au niveau des joueurs. Hein. Donc moi, je vais prendre cette fois-ci le paquet rouge hein, et l'adversaire va prendre le paquet bleu. Donc voilà. Et on repart pour un nouveau tour d'activation. Et une fois que toutes les figurines ont été activées, bah, on finit le tour et ça, ça va se batailler jusqu'à ce qu'on élimine l'adversaire ou qu'on récupère le maximum de pierres. Euh, alors après, comme je vous dis, c'est un bac à sable. Hein. Vous pourrez éventuellement euh, bah, créer vos propres clans et euh, éventuellement des mixtes du style euh, une communauté avec des elfes, des nains, euh, voilà. Enfin, vous pourrez tout mélanger. Donc là, j'ai été assez succinct sur les règles de jeu parce que c'est c'est vraiment très très simple. Hein. Vous avez eu un petit aperçu euh, là. Euh, moi, ce que je vous propose tout simplement, bah, c'est de conclure cette vidéo. Et si vous êtes intéressé, pourquoi pas acheter le livre hein, qui est euh, vendable sur Amazon et Lulu. Donc, euh, je sais que Maxime m'a envoyé un message privé sur Facebook et il m'a donné tous les liens que vous retrouverez en bas de cette vidéo, ainsi que dans les commentaires épinglés. Allez, on passe à la conclusion. Voilà, c'est ainsi que s'achève la vidéo de présentation de Caldom, le dernier petit bébé de Fatmax Édition. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas besoin de s'étendre sur les règles. C'est très simple, c'est très fluide. Euh moi, ce que j'envisage par la suite, c'est pourquoi pas réinviter Maxime à la maison qui passe la journée, qu'on fasse une vidéo ensemble. Comme je le disais, c'est toujours mieux d'apprendre avec l'auteur, voir euh, mon collègue Guillaume euh, pour euh, faire une partie d'initiation. Parce que là, c'est jamais trop, trop évident de plonger en profondeur dans tout ce qui est sort, dans tout ce qui est habileté. Je ne pense pas que ça va prendre des plombes. Et puis ça, voilà, potentiellement, euh, le mieux, c'est de se procurer le livre. Voilà, ça nécessite pas beaucoup de matos, ça nécessite pas beaucoup de figurines. Il faut quand même ajouter des pions euh, ou des dés. Hein, voilà pour ça, c'est la petite, euh, <laughs> j'allais dire particularité, mais euh, non, c'est on va dire, c'est le petit point à éclaircir. Donc prévoyez des pions, des pions d'activation, des pions de pouvoir, éventuellement des pions de vie ou des dés, euh, bon, ce qui vont symboliser les points de vie. Voilà, encore un petit jeu sympa créé par notre ami Maxime. Et puis euh, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus bah, voir l'opportunité de faire une petite partie filmée tout simplement pour mettre en euh, on va dire en place euh, ce, ce petit jeu parce que c'est vrai que des fois on fait des unboxings ou des présentations de trucs et derrière il n'y a pas euh, la suite parce que c'est ce que les gens demandent <coughs> pardon donc du coup euh, on va pouvoir organiser ça pourquoi pas avec l'auteur ou avec quelqu'un d'autre voilà, sur ce, on va se retrouver très bientôt. On va continuer dans la série aussi Pirate of the Spanish Main. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Hein. Et puis, euh, quelle que soit l'heure à laquelle vous avez vu cette vidéo. Allez, ciao